bonsoir et bienvenue à notre culte du Jeudi Saint. Le bulletin, ce soir, nous donnera toutes les informations nécessaires pour notre culte, y compris l'un des cantiques. Alors, si vous n'avez pas pris un exemplaire, je vous encourage d'en chercher un. Nous commençons avec notre premier cantique dans le recueil Célébrer l'Éternel à Alléluia, le 43-10, tel que je suis. Sa justice subsiste à perpétuité. Il a donné la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Dieu de miséricorde, nous pauvres et misérables pécheurs, confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, tant par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous méritons ta juste colère et ton châtiment. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté sera notre joie et nous pourrons marcher sur tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous affermisse dans la foi. Croyez-vous que l'absolution que je prononce est le pardon de Dieu? Oui, je le crois. Qu'il vous soit selon votre foi, par ordre de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous pardonne vos péchés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale
et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous appelle et fidèle. C'est aussi lui qui le fera. Allez en paix. Amen. Que le Seigneur soit avec vous. Prions. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer ton grand amour dans les mystères de ton corps et de ton sang, en sorte que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption dans nos vies. Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Écoutez avec respect et recueillement les lectures pour ce jeudi saint. Tout d'abord l'Ancien Testament dans le livre de l'Exode au chapitre 12, les versets 1 à 14. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron en Égypte : Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, vous le considérerez comme le premier des mois de l'année. Transmettez ces instructions à toute l'assemblée d'Israël. Le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le partagera avec le plus proche voisin en fonction du nombre de personnes. Vous estimerez le nombre de personnes pour l'agneau d'après la part que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois où toute l'assemblée d'Israël le sacrifiera au coucher du soleil. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on mangera sa viande rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez pas à moitié cuit et bouilli dans l'eau. Au contraire, il sera rôti au feu avec la tête, les pattes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien pour le matin. Si toutefois il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez une ceinture à la taille, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez rapidement, c'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je parcourrai l'Égypte et je tuerai tous les premiers-nés du pays, hommes ou animaux. Je mettrai ainsi à exécution mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Pour vous, en revanche, le sang servira de signe sur les maisons où vous vous trouverez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura pas de fléau qui vous détruise quand je frapperai l'Égypte. Vous rappellerez le souvenir de ce jour en le célébrant par une fête en l'honneur de l'Éternel. Cette célébration sera une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. Écoutez également l'Épître aux Hébreux au chapitre 9, les versets 11 à 22. Quant à Christ, il est venu comme grand prêtre des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'appartient pas à cette création, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non pas avec le sang des boucs et des jeunes taureaux, mais avec son propre sang. Il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. En effet, le sang des boucs et des taureaux, ainsi que la cendre d'une vache dont on asperge ceux qui sont souillés, les rendent saints en leur procurant une pureté rituelle. Si tel est le cas, le sang de Christ qui s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel comme une victime sans défaut, purifiera d'autant plus votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Voici pourquoi il est médiateur d'une alliance nouvelle. Sa mort est intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance afin que ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel promis. En effet, là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament n'entre en vigueur qu'en cas de décès, puisqu'il n'a aucun effet tant que le testateur vit. C'est pourquoi même la première alliance a été inaugurée avec du sang. Après avoir prononcé devant le peuple entier tous les commandements conformément à la loi, Moïse a pris le sang des jeunes taureaux et des boucs, ainsi que de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il a aspergé le livre lui-même et tout le peuple en disant « Voici le sang de l'alliance que Dieu a prescrite pour vous. » Il a aussi aspergé avec le sang le tabernacle et tous les ustensiles du culte. Or, d'après la loi, presque tout est purifié avec du sang, et s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. Ici prend fin la lecture de l'Épître.
Écoutez également l'évangile de Jean au chapitre 6, les versets 48 à 59. Je suis le pain de la vie. Vos ancêtres ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Voici comment est le pain qui descend du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs se mirent à discuter vivement entre eux, disant « Comment peut-il nous donner son corps à manger ?» Jésus leur dit « en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai le dernier jour. En effet, mon corps est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. Tout comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis grâce au Père, ainsi celui qui me mange vivra grâce à moi. Voilà comment est le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme la manne que vos ancêtres ont mangée. Eux sont morts, mais celui qui mange de ce pain vivra éternellement. » Jésus dit ces paroles alors qu'il enseignait dans une synagogue à Capernaum. Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Nous confessons notre foi. Je crois en un seul Dieu, Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, des choses visibles et des invisibles, et en un seul Seigneur, Jésus-Christ, Fils unique de Dieu. Né du Père avant tous les siècles, Dieu et de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, qui n'a pas été fait, mais engendré, qui est de même substance que le Père, et par qui toutes choses ont été faites. Pour nous, hommes, et pour notre salut, il est descendu des cieux, s'est incarné par le Saint-Esprit en la Vierge Marie. Et a été fait homme. Il a aussi été crucifié pour nous sous Ponce Pilate. Il a souffert et a été enseveli. Il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Il est monté au ciel. Il siège à la droite du Père. Il reviendra plein de gloire pour juger les vivants et les morts. Et son règne n'aura pas de fin. Je crois au Saint-Esprit, qui est aussi Seigneur et qui donne la vie, qui procède du Père et du Fils, qui est adoré et glorifié à travers le Père et le Fils, qui a parlé par les prophètes. Je crois l'Église, qui est une, sainte, universelle, apostolique. Je confesse un seul baptême pour la rémission des péchés, et j'attends la résurrection des morts et la vie du ciel.
reçois incarnément les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher, mon libérateur. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous êtes mort. Ce soir, dans la lecture du livre de l'Exode, nous entendons la manière dont l'Éternel inaugura la Pâque juive. Le peuple d'Israël était en esclavage chez les Égyptiens. Il fit appel au Seigneur, et l'Éternel l'entendit, et l'exauça en envoyant Moïse pour le libérer. L'Éternel envoya les fléaux pour changer le cœur du Pharaon. Mais ce dernier refusa d'écouter la parole de l'Éternel et endurcit son cœur. Moïse l'avertit du dixième fléau. Voici ce que dit l'Éternel. Vers le milieu de la nuit, je parcourrai l'Égypte et tous les premiers-nés mourront en Égypte, depuis le fils aîné de la servante qui travaille à la veuve. Et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux, il y aura dans toute l'Égypte de si grands cris qu'il n'y en a pas eu et qu'il n'y en aura plus de pareil. Pour le salut de son peuple, l'Éternel ordonna la Pâque juive, la manière dont les Israélites échappèrent au jugement qui allait tomber sur les Égyptiens. Le dixième jour du mois de Nissan, chaque famille devait prendre un agneau. On ne pouvait pas en prendre un qui était de qualité inférieure, par exemple, un qui était difforme ou un qui avait eu une jambe cassée. Il fallait qu'il soit sans défaut, mâle, âgé d'un an. Du dixième jour de Nissan jusqu'au quatorzième, l'animal vivait avec la famille, comme s'il était un animal de compagnie. Les enfants pouvaient jouer avec lui et le caresser. La famille le nourrissait. Et au coucher du soleil, le 14 Nissan, chaque famille mettait le sien. Alors, imaginez comment les enfants réagiraient en voyant cela. Ils devaient pleurer. Ils demandaient sûrement, « Pourquoi, papa? Pourquoi est-ce que tu as tué l'agneau ?» Pour la famille, c'était un deuil atténué. Mieux vaut la mort d'un agneau que de perdre son fils aîné. Pharaon et les Égyptiens allaient tous être dans le deuil, au point que Pharaon allait en avoir assez des fléaux. N'allait plus pouvoir supporter les jugements de l'Éternel. Il allait dire aux Israélites de s'en aller. Mais pourquoi la mort? Était-elle nécessaire? Une ou deux gouttes de sang n'était pas assez. Il fallait la vie de l'agneau. L'animal mourut à la place du premier-né. Il subit le jugement à leur place. Pour l'Éternel, il ne suffit pas de dire « Je protégerai mon peuple de la mort » sans rien faire. Non, il a fallu que l'autre meure à la place du coupable, du condamné. L'Éternel voulait que son peuple comprenne qu'il fallait que la punition tombe sur un innocent. Chaque famille devait recueillir le sang de l'agneau dans un bassin. L'Éternel explique ce qu'il en valait. Ce qu'il fallait en faire.
Vous prendrez un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Dans le Lévitique, l'Éternel explique que la vie d'un être est dans le sang. C'est pourquoi j'ai dit aux Israélites, aucun de vous ne mangera de sang. Même l'étranger en séjour parmi vous ne mangera pas de sang. Certains auraient pu penser que seuls les premiers-nés allaient être sauvés. Mais il faut voir la mort des agneaux comme étant la source du salut du peuple entier. Chaque Israélite fut libéré et s'échappa de l'esclavage. Tous les Israélites dans la maison eurent part à la viande rôtie au feu et mangèrent de l'agneau hâtivement, se préparant pour le trajet devant eux. Il fallait brûler tout le reste de l'agneau qui n'avait pas été mangé à minuit dans le jugement. La nuit même, le pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les Israélites. » Avant même que le peuple ne cuise la pâte, il a fallu qu'il parte. L'Éternel ordonna que le peuple, en entrant en terre promise, observe la Pâque juive chaque année. Moïse dit au peuple, tu diras à ton fils, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti de l'Égypte. Oui, chaque Israélite devait voir la fête des pains sans levain et la Pâque juive comme étant la source de son salut. Au fil des années, après la construction du temple à Jérusalem, l'abattage des agneaux eut lieu dans la cour du temple. Un laïc pouvait mettre l'agneau à mort, mais les prêtres recueillaient le sang pour l'asperger sur l'autel. Les morceaux gras de l'agneau furent brûlés sur l'autel comme holocauste. Et la famille qui l'avait offert rentrait là où elle demeurait, aux environs de Jérusalem, avec le reste de l'animal, pour être rôti et mangé. Et il ne fallait pas briser les os de l'animal. Mais le but de notre méditation ce soir n'est pas d'expliquer les rites juifs, mais bien plutôt de présenter le fait que Jésus est l'agneau de Dieu. Dans le cantique du serviteur souffrant du prophète Esaïe, la lecture de l'Ancien Testament que vous allez entendre lors du culte de vendredi saint, l'Éternel prophétisa, pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Saint Jean-Baptiste, en voyant Jésus, déclara à la foule, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La Pâque juive nécessita la mort d'un agneau sans défaut. Jésus, sans péché originel, sans avoir commis de péché, a satisfait cette exigence. Les Juifs, lors de la première Pâque juive, accueillirent l'agneau chez eux le 10 du mois de Nissan. C'était le 10e jour de Nissan, le jour que nous appelons le dimanche des rameaux, où Jésus fut accueilli à la foule, à la famille de Dieu. La famille choisit Jésus en criant, Hosanna,
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Jésus continua jusqu'au temple, lieu traditionnel du choix des agneaux. La première Pâque juive eut lieu le 14e jour du mois de Nissan. Ce fut le 14 Nissan que Jésus mangea la Pâque juive avec ses disciples. Le tout premier jeudi saint, Jésus prit du pain et dit, prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est offert pour vous. Dans le pain, il vous offre votre part de l'agneau de Dieu pour expier vos péchés, pour votre salut. Les Israélites n'avaient pas le droit de consommer le sang de l'agneau. Jésus prit la coupe, sa coupe, et dit aux disciples, buvez-en tous, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, puisque la vie d'un être est dans le sang. Vous recevez le sang de Jésus, et le sang de Jésus expie vos âmes. Il ne faut pas le comprendre comme étant une représentation symbolique du corps et du sang de Christ. Un symbole n'a aucun pouvoir. Écoutez et croyez la parole de Dieu. Il vous offre ce qu'il promet. La vie est dans le sang. Jésus vous vivifie à travers son sang. En présentant Jésus en tant que l'agneau de Dieu, il y a un point à souligner selon l'évangile de Jean. Il est le seul évangéliste qui raconte que Saint Jean-Baptiste identifia Jésus comme étant l'agneau de Dieu. Dans son livre, en parlant du vendredi saint, il écrit, c'était le jour de la préparation de la Pâque. Selon Matthieu, Marc et Luc, c'est jeudi qui était le jour de la préparation. Ceci semble être une contradiction. Et je peux vous fournir des ressources qui essaient de résoudre le conflit apparent. Cela dit, il semble que Jean utilise le vendredi saint pour révéler Jésus comme étant l'agneau de Dieu. L'agneau qui meurt à 15 heures, heure où les autres agneaux auraient été tués. Jésus et le sacrifice pour vos péchés. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde entier. Il enlève vos péchés aussi bien qu'il pardonne à ceux qui vous ont blessés. Et il vous incite à leur pardonner aussi. Il vous libère de votre esclavage, aux désirs impurs, aux mauvaises pensées, aux paroles méchantes et aux actes injustes. Le péché n'a plus le pouvoir pour vous condamner. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous êtes pardonnés. Jésus est le Fils premier-né de Dieu qui mourut le salut de son peuple. Pour les Israélites, la mort de l'agneau lors de la Pâque juive était un deuil atténué. Il en va de même pour nous. Nous nous lamentons sur nos péchés, voyant qu'ils nécessitent la mort d'un innocent. Toutefois, nous nous réjouissons de pouvoir échapper au jugement de la mort. Chacun de vous devrait considérer la mort de Jésus comme étant la source de son salut, la source de sa vie. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il enlève vos péchés. Aussi bien qu'il pardonne à ceux
qui vous ont blessé, il vous incite à leur pardonner aussi. Jésus vous appelle à la nouvelle, à ne pas vivre comme ce monde souillé, mais comme la nouvelle créature que vous êtes en lui. L'apôtre Paul écrit dans sa première lettre aux Corinthiens, « Glorifiez-vous donc du vieux levain, afin d'être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. » En effet, Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié pour nous. Croyez le pardon de votre Seigneur. Il vous offre le pain sans levain. Et être fidèle à lui, il vous offre son propre corps. Il vous invite à boire de sa coupe la nouvelle alliance en son sang pour la rémission de vos péchés. Il vous purifie et vous appelle à une vie sainte. Ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés dans un néant de vivre dépourvu de sens que vous avez transmis aux ancêtres, mais par le sang de Christ qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la création du monde. Il a été révélé dans les derniers temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité et lui a donné la gloire, de sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Au nom de Jésus, l'agneau de Dieu. Amen. Prions le Seigneur. Christ, agneau de Dieu, nous te louons, nous te glorifions et nous t'adorons de ce que tu as pris notre place sous le jugement de Dieu afin de nous sauver. Bénis notre méditation sur ta mort et tes souffrances afin que nous désespérions de nous-mêmes et mettions notre entière confiance en toi seul. Donne-nous un cœur nouveau pour que nous détestions nos péchés. Aide-nous à les voir, à nous en lamenter et à lutter contre eux. Donne-nous le courage d'accompagner notre pécheur dans la lutte contre les tentations. Protège-nous de l'indifférence au péché, fait que nous répondions en nous réjouissant comme ceux qui sont aussi au ciel quand un seul pécheur se repent. Christ, agneau de Dieu, Saint Jean-Baptiste dirigea ses disciples vers toi en disant, « Voilà l'agneau de Dieu. » Et ils te suivirent. Donne à ton Église un fervent désir de faire de même, en invitant ceux que nous connaissons à écouter ta sainte parole et à y trouver le réconfort pour leur âme. Comme les non-juifs qui s'approchèrent d'André et de Philippe en disant, Seigneur, nous voudrions voir Jésus, que nous ayons des compétences pour défendre notre espérance devant ceux qui nous demandent la raison pour laquelle nous mettons notre confiance en Dieu. Et à le faire avec douceur et respect, en gardant une bonne conscience. Christ, agneau de Dieu, toi qui es au milieu du trône du haut ciel, tu prends soin de tes saints et les conduis aux sources des eaux de la vie. Tu essuieras toute l'âme de leurs yeux. Nous te prions pour ceux qui sont dans le deuil. Atténue leur souffrance par l'espérance qui vient à travers ta mort et ta résurrection, afin qu'ils ne soient pas dans la tristesse comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Christ, agneau de Dieu, tu nous donnas la sainte cène comme repas afin que nous recevions le pardon, afin que nous soyons réconfortés par ton amour et afin que nous soyons fortifiés pour notre pèlerinage. Que nous ne nous approchions pas de ta table de manière indigne, mais en croyant que tu nous offres ton vrai corps et ton vrai sang. Qu'elle soit pour nous une source de bénédiction.
Christ, agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, ô prends pitié de nous. Christ, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, ô prends pitié de nous. Christ, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, accorde-nous ta paix. Amen.
rendre nos grâces toujours et partout, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout puissant, qui a donné le salut à l'humanité et a voulu que le péché, vainqueur par l'arbre de la tentation, fût à son tour vaincu par l'arbre de la croix. C'est pourquoi avec les anges et les archanges et avec toute l'assemblée des cieux, nous célébrons et nous magnifions ton nom glorieux. À jamais nous louons en disant Notre Seigneur Jésus-Christ, la nuit où il fut trahi, soupa avec ses disciples. Il prit du pain et en rendant grâce, il le rompit, le donna à ses disciples et dit, « Prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et, ayant rendu grâce, il la leur donna et dit, buvez-en tous, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous en rémission du péché. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en mémoire de moi. Thank you.
salutaire. Nous te supplions, au nom de ta miséricorde, veuille parmi nous fortifier dans la foi en toi et dans un fervent amour chrétien. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir, je vais demander l'aide de deux ou trois personnes qui vont m'aider à enlever tous les ustensiles et les fragments du cœur. Cela nous représente les souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ et son humiliation. Après le culte, je vous invite à partir en silence.